Hey, qui c'est qui a éteint la lumière? Super voltige, mon vieux! Raté. Oh, elle t'a encore fait un trou. Il y a vraiment rien de plus stimulant qu'une bonne vieille course de vitesse. T'es prêt pour la deuxième manche? Je vais descendre, s'il te plaît. Arrête-toi. J'ai peur d'un trou. Oui. Ok, tu descends là. C'est bien, vraiment ça, c'est marrant. Ah bah dis donc, vraiment, super sens de l'humour, j'adore ça. Non, j'en suis tout retourné. Je devrais dire qu'un accident, ça n'a rien de marrant. J'aurais pu mourir, moi. Oh là là, je sais ce que je vais faire. Tu vas mettre un casque? Non. Tu vas mettre deux casques? Hé, hey, Razmo, tu veux essayer de battre le record de vitesse supersonique, brum brum? Mon dieu, Razmo, mais qu'est-ce que tu fais? C'est horrible! Ne me dis pas que tu t'es mis à la peinture abstraite! Pas vraiment, je prépare un panneau de signalisation! Un quoi? Il faut mettre en place quelques normes de sécurité ici et là. À commencer par 2-3 panneaux! Jusqu'à présent, on s'intéressait qu'à la vitesse, sans jamais penser à la sécurité. C'est dommage. Mais maintenant, les choses vont changer grâce à mon nouveau système de panneaux. Ouais, bon, d'accord, mais maintenant tu viens, on fait la course. Attention! La vie est trop précieuse pour la risquer sur un coup de tête, il faut surtout... Arrête de me prendre la tête avec ton blabla sur la sécurité, je m'en fiche! Laisse tomber, monsieur sécurité, je peux te dire que j'ai pas besoin de toi pour battre leur corps de vitesse. On est prié de respecter la limitation de 10 km/h. Ça te va là? Pas trop rapide pour toi? Quoi? J'y crois pas! J'ai raté le record de 3 secondes! Silence! Hôpital, t'as pas lu le panneau? Bah c'est pas grave, je vais te mettre une contravention. Tiens, tu lis ça! Attentivement! T'as jusqu'au 31 pour payer, si tu dépasses, bon bah après ça sera ma journée, bien sûr. Les limitations de vitesse, c'est pour les bouffons dans ton genre! Or! Qu'est-ce qu'il a dit là? Eh bah celle-là, il a pas volé, bah je vais lui remettre une contravention. Mais ce type est complètement malade. À 2h du mat, il peint des panneaux de signalisation. Razmo, j'en ai qu'à essayer de dormir. Oula, la nervosité est un vilain canard qui se mange froid. Tiens, moi j'en connais un qui va battre son propre record de vitesse aujourd'hui. Je peux venir avec toi? Razmo, c'est vrai? T'es partant, mon vieil ami de toujours. Je croyais que ta blessure à la tête t'avait détraqué. Oh, merci. Allez, viens, c'est par là. Allez, en voiture, et que le meilleur gagne. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai bricolé une petite amélioration sur nos radboards. Oh là 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 là, une amélioration quoi? Tu vas voir, ça va te plaire, c'est sûr. C'est quoi ça là? J'accélère à fond et pourtant on fait du surplace.
Vous avez atteint la vitesse maximale. Qui c'est qu'a dit ? C'est Steve, ton super ordinateur de bord. Veuillez laisser vos mains à l'intérieur du véhicule. Attention, je suis en train de te dépasser, non ! Rafo ! Reviens ici tout de suite ! Enlève-moi ce truc débile de ma rat-board ! Veuillez ne pas toucher au système de commande. Steve est un gentil système de sécurité programmé pour ta protection, il est très gentil. Et c'est maintenant Villeneuve qui décide de dépasser sur la gauche et qui part le premier dans la ligne droite ! N'oubliez pas de regarder des deux côtés avant de traverser la route. Mais ferme ta bouche, dégage ! Hé, hey, attends ! Dis-moi, si je me trompe pas, tu es bien programmé pour assurer ma sécurité, oui ou non ? C'est exact. J'ai comme priorité absolue de protéger le conducteur en toutes circonstances. Bien ! Alors c'est le moment de passer de la théorie à la pratique. Attention, danger imminent. Nous nous dirigeons tout droit sur un hachoir géant. Tu m'as parlé ? Changer de direction. C'est incroyable ça ! Touche pas à mes commandes, d'accord ? Avec ta saleté de main ou je t'en mets une ? Ben vas-y, t'es si fort! Ah, ça y est, je te tiens! J'en ai marre! On commençait tout juste à s'amuser! Enclenchement de la ceinture de sécurité 4 points. Système de refroidissement pour le conducteur en surchauffe. Hey ! Mais on est où là ? Nous sommes actuellement dans le tuyau de vidange du navire. Hey ! C'est quoi ce bruit ? Non ! Alerte jaune. Alerte jaune. Ce truc de fausse dessus! Nous avons atteint la vitesse maximale. Steve, Arasmo, nous sommes bloqués dans la fosse septique du navire. Oh non! C'est la catastrophe! Je détecte une hausse de tension. Le repos est conseillé. Mon ami est en grand danger! Votre tension est montée à 18-12. Je ne peux pas vous laisser conduire dans cet état. Non mais... Mais c'est moi qui commande, c'est moi le patron ici, mais t'as compris ? C'est moi qui t'ai conçu, non ? Douche relaxante forcée. Rasmo, qu'est-ce que vous faites ? Voulez-vous que je vous chante une chanson ? Monsieur l'ordinateur de bord, prépare-toi à retourner au cimetière des ordinateurs. Rasmo, je t'aime. À fond les bananes ! Rasmo, enlève-moi cette prothèse monstrueuse immédiatement. J'ai peut-être un petit peu abusé, c'est vrai, j'avoue. Maintenant ! Alors, t'as bien tout enlevé ? Il reste plus rien ? Désolé, vieux, c'est vrai, j'avoue, j'ai un peu pété les plombs. Mais on aura appris quand même une chose super importante. C'est que la sécurité et l'hygiène sont les deux mamelles de l'homme. Tribord, tout ! Non, bah, pas bord ! Je vous préviens, si ça continue, je vous rends mon goûter. Ça va, ils sont biodégradables, hein ?
pilote automatique. Mais quelle magnifique invention! Da, capitaine! Si tu veux être aussi balèze que moi, t'en as au moins pour 10 ans comme ça. Va t'acheter des muscles. Bigorneau le matin, le midi, le soir, j'en ai jusque-là des bigorneaux. Je rêve de faire un vrai repas. Je rêve de chair humaine. Non. Martine, regarde, il y a un cargo qui vient droit sur nous. Je te préviens, je me réserve les dodus. Il faut trouver un moyen de monter à bord sans éveiller les soupçons. Comme d'habitude, on sait comment faut faire pour appâter les loups de mer. Ah, comme d'habitude. Ça devrait marcher. On a dû heurter un iceberg. Hein? C'est une île! Avec des déesses dessus. Vous pouvez nous déposer à Acapulco, on a fait naufrage. J'allais vous le proposer, demoiselle. Mais qu'est-ce que c'est que ces nouveaux membres d'équipage? J'ai l'impression qu'ils sont en train de prendre des nouveaux membres d'équipage. Ouah! La peau bizarre qu'elle avait, c'est là comme toi, presque. C'est pas bien net tout ça, ça cache quelque chose. L'équipage et moi-même sommes à votre entière disposition, mesdames. La grosse crie avec des herbes, qu'est-ce que t'en dis? Je vais préparer vos chambres, celles à côté de la mienne. Bon, on n'avait pas dit qu'on allait à Acapulco. Mais bien sûr, vos désirs sont des ordres. Non. Bon, voilà un joli morceau. Faudrait faire quelque chose pour ta peau. Je peux te prêter ma crème pour les mycoses, elle est très bien. Tu verras, tu seras aussi douce que de la soie. Hein? Vous croyez? Crève pas, rien de mieux pour la santé. Et que de la viande, hein, que du muscle. Je travaille à la force de mes biceps. Comme une esclave, j'ai pas une minute pour m'occuper de moi. Oh la pauvre, c'est ballot. Oula, j'ai les nageoires qui ressortent. Toi, reste bronzée, on revient. Wow, t'as vu ses oreilles? Jamais vu des oreilles aussi moches. Et voilà, votre chambre est prête. Je vous en prie, entrez. Si vous voulez, je peux faire les bulles dans votre jacuzzi. Plus tard, d'accord? Rapido, c'est pas des humains, c'est des poissons. Hein? Vite, la fenêtre! Oh mon Dieu, elles sont horribles! Elles sont mortelles, tu veux dire. Ça s'appelle des sirènes. Aujourd'hui est un grand jour. Du papier A4 rose. Mauve, 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 mais bon sang, quand est-ce que t'apprendras tes couleurs? J'en ai marre que tu te trompes tout le temps. Ce que je voulais te dire à propos de ces sirènes, c'est que si j'arrive à percer leur secret de beauté, je serai fort, grand et mince, enfin. Je serai aussi fort que toi, enfin, beaucoup plus fort que toi. Parce que regarde-toi, franchement, physiquement, ça va pas. C'était rose, je suis désolé, c'était rose, je connais mes couleurs, ma veste est bien jaune. Hein? La chambre est pas mal, tu trouves pas? Mais avec tous ces humains à bord, être encore au régime bigorneau. Ils ont un vrai goût de banane, t'aimes pas? Rase aussi beau que moi, jamais de la vie. Un cheveu devrait suffire. Non, Rasmo doit rester moche. Hein? Quoi, un bigorneau qui lance des bananes? Croque-les! Oh, je veux pas mourir! C'est incroyable. Elles ont peur de moi, ton. Greg, qu'est-ce qu'il est monstre? En fait, elles sont entre kaki et bleu. Alors, mon prélèvement. Un petit poil par-ci, un petit poil par-là. Direction le labo et bientôt j'aurai le secret de la musculation éternelle. Ah,
Ah ! Ouh, il fait chaud ici, je vais te mettre un peu d'air pour travailler. Et voilà, là il fait frais, non ? Rapido, arrête ça tout de suite ! Et grâce à mon système de boutons, il souffle mais il aspire. Oups, oh désolé, il est cassé, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh, je m'en fiche, hein, n'importe comment, elles sont super poilues, la chance. Alors, cette crème, qu'est-ce que t'en dis ? Faut pas hésiter à en mettre, hein, que ça pénètre bien jusqu'à la viande. Mmh. Miam ! Ah, épilation totale ! Oh, le rat ! Qu'est-ce qui se passe ? J'empêcherai ce croisement entre un rat et un poisson ! Rends-moi ma base à épiler tout de suite ! Ah, mes petites invités sont en danger ! Ça va, vous n'avez rien ? Il y a des rats ! Aïe ! Vous allez bien, mesdemoiselles ? Vous m'avez appelé ? Je ne vous paye pas pour rester au soleil à griller comme des saucisses. Ces saletés de rats vont nous faire démasquer. Si la grosse nous découvre, on finira à l'eau avant d'avoir pu la manger. On va la manger avant. T'as raison, on va pas attendre qu'elle soit bronzée. Rapido ! Ma face, rends-moi ma face ! Non, je peux pas pour des raisons d'éthique. Dis pas n'importe quoi, tu sais même pas ce que ça veut dire, éthique. N'importe quoi, ça veut dire s'accroupir. N'importe quoi, ça veut dire par exemple, éthique se dit qu'une personne âgée... Ah, tu sais même pas, allez, va-t'en. Mais rends-la-moi maintenant ! Banza ! Viens avec nous, on a encore plein d'autres produits à te montrer. Je suis trop contente de vous connaître. Oui, nous aussi. Allez les filles, juste un petit prélèvement capillaire. Elle m'empêche d'approcher des poils. C'est ridicule, t'as jamais aimé les poils avant. Des poils, je veux des poils. Oh, pas de soucis. Svet est là. Quoi? Ton oreille. Boucle cache-oreille, c'est hyper tendance. On dirait des vraies nageoires. Ben oui, je suis un poisson. Et toi, tu seras bientôt un vrai rôti. Un rôti? Parfait, elles ont attaché Svetlana. Je vais pouvoir dépoiler en toute tranquillité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des monstres, elles veulent me manger! Si je mets ceci dans la centrifugeuse à l'aide de cela, le mélange donnera un cocktail qui me rendra enfin beau! C'est quand même bizarre des poissons avec des cheveux. Pourquoi elles ont ligoté Svetlana? Moi aussi je veux qu'on me ligote! Jeune personne, est-ce que ça vous dirait de faire un golf? Capitaine, ce sont pas des femmes mais des monstres. Hein? Des monstres? Bini, vite, il faut sauver cette lana. Un échantillon. Je comprends plus, tu cherches des lunettes ou des poils? Mais c'est pareil, tu connais rien toi, c'est incroyable, hein? Encore un échantillon pour le labo et hop, et de 4 et de... Acapulco, c'est raté, mon âne quoi dîner. Lâche le hublot. Jamais. Et si on mettait les moteurs en marche? C'est parti. Oh, attendez, revenez, c'était pour rire. Oui. On est des clowns. C'est vraiment, vraiment bien ton coup de clown. Hé, viens voir! Mais c'est vide. Dis donc, Raz, sa potion, ça fait de l'effet à partir de combien de temps? Tiens, mais t'as bu mon jus de poil? Non. Ma queue! Ah.
Bon, il faut que je t'explique un truc. Tu vas passer par différentes phases de transformation. Non, 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 mais reviens ici tout de suite. Alors la première phase, elle est très sympa, c'est juste la queue. Rase, ma queue, c'est déjà trop, faut que tu me soignes. Je veux ma queue d'avant, rase. C'est juste après. Après, tu transformes en banane, ce qui est sympa aussi. Oh là là, trop fort! Viens voir ça, Rasmo, viens voir ça, il y a un type qui fait du ski nautique comme un fou! Mais c'est... Mais je le connais! Mais c'est le mec de Titanic! Ouais, c'est ça, ouais! À chaque fois que tu regardes dans ses jumelles, faut que tu vois tout Hollywood, c'est incroyable, t'es incroyable, toi! Waouh! C'est beau, l'imagination! Allez, mes petits, suivez-moi! Pour qui c'est la bonne soupe de crustacés aux algues? Miam, miam! C'est bien, continuez comme ça, mes petits. Papa Béni reviendra vous donner à manger. Moi, je trouve ça plutôt louche. Hein? À ton avis, pourquoi est-ce qu'il essaye d'engraisser ce chien? Ben, peut-être parce qu'il veut le manger, qu'est-ce que tu crois? On peut pas laisser Benny faire son hachis parmentier avec ce chien. Patience, mes amis. Rasmo va vous sortir de là. Oui, bientôt vous serez libre. Hein? Hey, c'est sur moi que vous aboyez là? Alors que je fais tout pour vous libérer, donc. Tu rigoles? Et pourquoi qu'on voudrait s'en aller d'abord? On est bien ici, hein? Puis c'est mieux qu'un hôtel 4 étoiles, tu trouves pas? Alors fiche le camp, hein, si tu tiens tes oreilles à ton moche pyjama. Bien, maître. C'est bizarre, j'ai l'impression que les petits chiens sont les domestiques du gros chien. Eh, viens voir ça. Le gros chien, comme tu dis, c'est Tomo le sumo, le champion international de lutte. Ce bulldog est une vraie vedette. Sapristi. Il faut pas que je laisse passer ma chance de faire ami-ami avec une authentique célébrité. Ouais. Excusez-moi juste une petite seconde. Est-ce que par hasard, il serait possible de rencontrer votre grand homo? Et voilà, c'est reparti pour un tour, mais quel tocard. Ce serait peut-être l'occasion d'avoir enfin notre propre serviteur. Oh, depuis tout petit, j'ai toujours voulu avoir un esclave. Non mais t'es malade. Tu vas me faire le plaisir de rentrer à la maison, hein. Je suis grand, je fais ce que je veux. Et toi, hein? On veut bien te laisser entrer, mais tu laisses Tomo tranquille et tu fais tout ce qu'on te demande. Asmo, je vais rencontrer Tomo, c'est le plus beau jour de ma vie. Ah, je vais rencontrer Tomo, C'est pas possible, Rapido, mais il est... Il, quoi, il... Oh. Hein? Oh. Oh oui, là. C'est bon, ça, hein? T'aimes ça, c'est bon, hein, oui, hein? Ah oui! Oh, ne t'arrête pas, là! Oh oui, oh, c'est bon! Vas-y, vas-y, les griffes, là! Stop! Rapido, tu es complètement grotesque! Et vous, vous avez pas honte d'exploiter la naïveté de mon meilleur ami? Et toi, va jouer sur l'autoroute! Ah la honte, il sait même pas qu'on n'a pas le droit de jouer sur l'autoroute! T'as de la chance d'être plus petit que moi? Non, sans blague. Willy s'est incrusté à ta fête et a plongé dans ta piscine. Oh! Et t'as dû le mettre à la porte! Eh ben, un jour, moi, j'ai réussi à mettre la pâtée à Jean Pinot. Je croyais t'avoir dit qu'il fallait pas déranger Tomo. Salut les gars, ça va comme vous voulez? Et si on mangeait un morceau? Patouche, c'est pas de la nourriture pour rat. Hé, hey, qu'est-ce qu'il y a? Il t'embête ce chien? Et il va chercher pigeon chien. C'est pas si mauvais. Et sale rongeur, dégage, je te le dirai pas deux fois. Hé, hey, toi là, tu lâches mon copain ou je te jure que ça va choper pour toi. Oh.
C'est pas nous, maître. C'est les rats, maître. Bon, ça suffit maintenant. Toi, le gros, là, va falloir que tu te calmes, ok? Les manières de gros dur, moi, ça a jamais marché avec moi, ok? Alors, au contraire, si tu veux pas que je me mette très en colère, je te conseillerais d'être poli. Non, mais c'est comme ça qu'il faut mater les chiens. Tomo accepte de relever votre défi. Hein? Non, mais j'avais pas dit de défi. Le combat commencera à midi tapante. Un défi? Mais t'es complètement malade. Qu'est-ce qui t'a pris de le provoquer? Il fait au moins 500 fois ta taille. Ouais, bon, laisse tomber. Je vais regarder la télé. Oui, je sais qu'est-ce que je vais faire. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas à un mariage? Tiens, gonfle-moi. Waouh. Je vous présente, mesdames et messieurs, le champion du monde. Alors, petite tête, on se dégonfle? Allez, mes petits chiens-chiens, on rentre à la niche, c'est pour les grandes personnes ici. Toi, tu me fais pas peur du tout. Ah ouais? Hey, toi, hein, tu fais attention, ok? Si tu me cherches, tu vas me trouver. Allez, vas-y, rase-moi, allez, vas-y, fais-lui comme je t'ai appris, n'oublie pas le coup dans le gauche, droite, gauche. Son pépère qui se sont échappés de leur ninis. Allez, c'est l'heure de vous passer à table. Regarde, rapido, j'avais raison, il veut manger le chien. Alors là, j'ai du steak, là, j'ai du beefsteak, là, j'ai du rumsteak, là, j'ai de la pastèque, et là, j'ai... Oh. Je sais pas toi, mais moi, j'ai pas tellement envie d'assister à cette boucherie. Maître, je crois bien qu'on devrait filer comme des rats. La viande qui court a encore meilleur goût. Reviens-y. Normalement, il ne voit pas. Dépêchez-vous, maître. La voie est libre. Ça va couper. À table! Sauvé! Ouvrez-moi! Vous m'avez oublié! Maître Tomo, s'il vous plaît! Oh, j'ai eu chaud! Oui, surtout moi! Maintenant, c'est l'heure du combat. Ah, il arrête pas de rigoler, celui-là! Oh, à l'attaque! Combat! On dirait du latex! En fait, c'est un système d'air gastrique que j'ai inventé. Oh non! Il faut à tout prix que je vole au secours de Rasmo! Qui a mis cette armoire ici? Hein? Quoi? Rapido, tu peux te dégager, s'il te plaît, tu me caches le soleil. Mais ça va pas ou quoi? Je suis un super-héros! Je t'ai sauvé!
Et regarde ma grande jambe élastique. Wouh! Bon, ça y est, je l'ai vu. Maintenant, tu dégages. C'est ma serviette, tu dégages. Hein? Tu peux me mettre un petit peu de crème, là? Hein? Non, mais t'es complètement malade, toi. Tu dégages! Bah, allez, vas-y, s'il te plaît, juste là, un petit peu sur le nombril. Oh là là, regarde là-bas, c'est incroyable! On dirait pas Ricardo de la Mantalazzotti, l'inventeur de la spaghetti! Où ça, Ricardo Mantalazzotti? Mais si, regarde mieux, l'inventeur de la tagliatelle! Oh, comment t'avais raison, là-bas, il y a plein de tagliatelles! Eh oh, Ricardo Mantalazzotti! Je vous adore, j'ai mangé toutes vos pâtes! Il chauffe rien, ce radiateur, il est trop nul, là. Par là, quand je pense que pendant que je bricole, il y a cet imbécile de Rapido qui est en train de siroter un super jus de papaye. Makata Nuka! Mettre ici, à côté de tous mes plus beaux trésors. Oui. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Moi! C'est vivant! Non! Tu veux bien être mon nouveau copain? Hein, oui? On va pouvoir jouer au ballon tous les deux. T'as l'air plutôt sympa. Tu me rappelles mon vieux copain Hubert. C'est Hubert. Il a disparu dans la grande tempête de 93. Mais avec toi, je suis plus tout seul sur la banquise. Non. Taxi! Oh. Alors, il est super sympa, ton nouveau copain? À table, le dîner est prêt! Bah, tu me rends mon manteau maintenant, moi j'ai froid! Ah, Rasmus, si tu savais comme c'est bon de respirer le parfum de la liberté. Hein? Ouais. Ta liberté, elle a une vague odeur de merlan. Oh, ce que tu peux être rabat-joie, il faut toujours que... Ah!
Petit ingrat, je me suis donné beaucoup de mal pour te faire cette soupe de poisson. Et c'est très mal élevé de partir sans prévenir. Maintenant, je suis très, très en colère. Non, c'est à cause de lui. De moi? Non, je te jure, j'aurais jamais fait ça. Moi, c'est lui, il me forçait à le suivre. Hein? Miam! Oh là là, comment c'est bon le sorbet à la soupe de poisson. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Hein. Non, mais il est incroyable celui-là. Je le sauve et il me balance. C'est ça l'amitié? C'est comme ça, on est des amis? Mais c'est quoi cette odeur atroce? Ah, mais ce fromage est pourri! Faut pas retourner là-dedans, c'est trop pollué. Il y a des fromages pleins de verre qui dégagent des gaz hyper toxiques. Et alors? Et alors? Eh ben t'es mon copain. Je vais te faire goûter mon plat préféré. Fricassé d'algues marinées à la sauce de pingouin. Tu vas te régaler. Non, je veux pas y aller. Je veux pas y aller avant d'avoir préparé ma valise. Oh, bien sûr. Tu as raison. N'oublie pas de prendre ta brosse à dents. Ah, comme par hasard. Eh ben, c'est pas trop tôt parce que justement, je voulais te parler d'un truc. S'il te plaît, il faut que tu m'aides à me cacher vite. Pour le truc de tout à l'heure, c'est pas très bien. Copain. Copain, où es-tu? Il est caché vers par ici. Mais t'es complètement malade. Tu t'excuses pour tout à l'heure. Quoi? Eh, je l'ai trouvé, il est dans la malle. Eh ben, je veux des excuses parce que tu m'as super blessé. Et tu me rends mon blouson et mes bottes. Jamais de la vie. Copain. Bon, tiens, je m'excuse. Mais tu me débarrasses de ce maniaque. Eh ben, justement. Je crois bien que j'ai une petite idée. Tu vas voir, tu seras bien chez moi. J'ai tout le confort moderne. Jacuzzi glacé, lit à dégivrage automatique, tout ça. Rasmo, on peut y aller, la voie est libre. Hé, hey, copain, tu viens? Croix pour repérer la cible. Il faut que ça marche, je veux pas qu'il m'emmène. Chut, ferme-la et savoure. Regarde le gros là, regarde. Ah non, je pars pas avec lui, moi. Mais tu crois qu'il va s'arrêter? On dirait pas. Eh oh, tu vas t'arrêter, oui! Là, stop! Voilà, c'est bien, bouge plus! Finis-y en colère! Finis-y en colère! Cette voix... Lâche mon pote, lâche-le. Allez, viens, on a tant de choses à se raconter. Oh oui. Ouais, c'est ça, dégage. Mission accomplie, il l'a lâché. Ça va, rapido? On fait aller.
Oh, fini. Et voilà, c'est ça, dégager, aller patiner plus loin. Ça va, toi, sinon? Oui, ça va. Laisse-moi tranquille, tu vois bien que je suis en train de me reposer et je pense à des trucs, là. Ok, bah profite un max, hein. Moi, je vais réparer le radiateur. Ah. Il m'a dit, il reste 5 minutes sur la banquise, après il prend sa douche. Rapido! C'est bizarre, c'est le 8e message que je lui laisse, il répond pas. Ouais, salut Rapido, bah je te laisse encore un message, moi je vais aller manger. Écoute, si t'arrêtes de faire la tête, eh ben tu peux me retrouver à la cafette. Chargement terminé. Tous les trains sont chargés, capitaine. J'attends vos ordres. Les voilà, Svetlana. Tout le monde sur le pont, larguez les amarres en avant toutes. Hein? Allez, grouille-toi, fais pas les clowns et monte vite à bord. Jette-moi une corde. Tiens. Rapido, tu veux du pâté? Rasmo, ne regarde pas tout de suite, mais j'ai l'impression que notre manger, il s'en va. Comme par magie, par cette montagne magique de fromage qui ressemble à la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui mange des concombres? Hein? Une fourmi? Mais c'est quoi ça? C'est la première fois que j'en vois un! Mais c'est moche et ça pue! Qu'est-ce qu'il a à nous regarder comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Le travail se fait pas tout seul! Tout le monde au boulot! Et on se dépêche! Heureusement, c'est pas une Coupe du Monde! Tunnel! On n'est pas chez Mémé ici! Mais c'est pas non plus du fromage!
C'est une fourmilière! Ça va pas se passer comme ça, je peux te dire. Viens avec moi, Rapido. On va récupérer le pâté. Pas de nuisibles dans la fourmilière. Hey, y a des trucs qui vont pas, là. On veut voir votre responsable, s'il vous plaît. On dégage! La reine parle pas aux rongeurs. Wouah! Une reine! Mais évidemment, on fait le calcul, une reine. Chaque colonie a la sienne de reine. Elle est le pilier de la communauté. Pas de reine, pas de fourmilière, monsieur. On l'éjecte et c'est toute la colonie qui disparaît. Non. Eh ben si, deux rats, comme je te les ai fichus dehors. Oh, trop fort. Hein? Ouais. Bonsoir, on est les grosses fourmis. C'est possible de rentrer? Vous êtes en retard, vous dormez dehors. Ta-da-da. J'aime pas les gâteaux. Par contre, j'aime bien tes petites bottes. Hein? Moi, le gâteau, je le veux bien. Bon, vous pouvez passer. Et si on vous demande, on s'est jamais vu, on se connaît pas. Je suis dégoûté, c'était des super bottes, c'était du cuir de vachette, je suis dégoûté. T'es des cuir de vachette, arrête de te plaindre. Eh, ça sent la chair fraîche. Ça vous dirait une petite partie? Prenez une petite canette, les filles. Ah, c'est du bon, hein. Alors, cela fait, cette partie? Non, sans moi, merci. Ouais, non, en fait, on fait que passer, on voulait voir la reine. Quoi? Je vois! Allez circuler! Allez voir maman, les filles! Génial ton déguisement, ils nous ont pris pour des filles! Alors voilà, dès qu'on met du rose, alors vous les rats, vous êtes vraiment. Halt! Détendez-vous, monsieur, on vient juste voir la reine! Dis donc, pour qui tu te prends? On n'entre pas au palais pieds nus! Qu'est-ce que dans mes pieds? Bon, bah vas-y tout seul, moi j'attends ici. T'inquiète pas, je sais ce qu'il faut faire. Fillette, tu reviendras quand t'auras des souliers! T'as oublié de crier? Je crois qu'en fait, Razmo, il a un problème de faciès, pas de pied. Ouais! Oh, c'est moi! C'est moi! Oh, je suis la 10125! Tu peux y aller! Un autographe, s'il vous plaît, ma bonne reine! Je l'ai! Oh, je l'ai! Oh, je l'ai! Salut, ma beauté. Tu sais que t'as de la classe, toi? Tu sais que j'ai remarqué que tu m'avais remarqué, que je t'avais remarqué? Ouh, mais dis-moi, enlève ce chemisier, il a l'air de te gratter, non? Tu sais, je suis pas celle que tu crois. C'est juste un déguisement. En fait, je suis pas une ouvrière, je suis un rat. Un amour de rat. Lâche-la, le rat! Pas toucher à la reine! Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Va jouer chez ta mère. Oh, bah ça alors! J'aurais juré que t'étais Chantal! Je t'ai déjà dit non, dégage. Je l'ai, c'est bon! J'en la rate pas! La reine dégage! Ça va derrière, patron, envie de vomir? Eh, je te parle, la grosse, ça va? Tu sais que t'es mignonne quand t'as peur, toi? Gauche, droite, centre, droite, gauche, droite.
Cosmo, sors l'arme secrète. Mais bien sûr. Le paquet. Ah, rendez-nous notre reine. Elle avait les dents sacrément écartées quand même. Hein. Bah c'est ce qui me plaisait chez elle. Elle me manque. Oh, ça va, oublie-la. Mais rien que d'y penser, moi, ça me fout le cafard. Hip, hip, hip. L'envie à nos héros. Vous nous avez débarrassés de nos oppresseurs. On peut ressortir de notre cachette. Waouh. On va s'éclater. Excusez-moi, vous avez une reine? Bien sûr. De parmesan. Elle a les dents encore plus écartées que l'autre.